Bonjour. 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 Solidaire d'abord. Donc aujourd'hui, on va faire une émission particulière avec des gens qui sont venus représentant l'intersyndicale du Tricastin et de Cruas aussi. Hein. Et donc, bah, je vous laisse vous présenter. On a Denis d'abord. Vas-y. Attends. Bonjour. Donc voilà, c'est Denis. Je suis habitué à Fréquence 7 à venir parler. Bonjour, bonjour à tous. Charlotte Perrin, un petit peu moins habituée, mais je suis là pour représenter la CGT Tricastin. Et je suis donc secrétaire générale du syndicat EDF-CGT Tricastin. Et David Allier, moi je suis ingénieur à la centrale nucléaire de Cruas et je suis élu au CSE-CGT du CNPE de Cruas. Bon voilà, alors donc cette émission, en fait, on a voulu la faire sur le fait que le service public est en train d'être vendu par petits bouts, et c'est pas d'hier que ça a commencé. Alors on fait quand même un tout petit historique de cette privatisation, si vous voulez bien, vous saurez sûrement mieux les étapes que moi. Mais donc voilà, ça fait en gros 20 ans que petit à petit, petit bout par petit bout, tout ça part. Et tout à fait, privé. Ouais. Tout à fait. Donc, il faut bien se rappeler très rapidement aussi que la création 1946 hein, de toutes ces entreprises privées qui deviennent une entreprise nationale publique, ce qui était assez impressionnant à ce moment-là. Et donc, bien des années plus tard, en 2004, EDF devient une société anonyme, donc EDF SA, privatisée, jusqu'à ce qu'en 2007, ce soit la privatisation de GDF. Et qu'ensuite, en découle de toute cette vague de privatisation, la loi NOM et l'AREN, dont on va parler... à l'heure, si vous voulez. Avec des hommes politiques aux manettes. Et tout ça demandé par la Commission européenne. Alors c'est ça. Et en fait, on peut aussi préciser que de gauche comme de droite, il y a eu DSK aux manettes en 2003 ou 2004 sous le gouvernement Jospin. Il y a eu également Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie, de l'économie à l'époque, qui nous avait affirmé que DFGDF resterait publique et ne serait jamais privatisée. Donc effectivement, c'est la Commission européenne... par-delà tout ça, qui nous a un petit peu imposé, ou en tout cas, c'est ce que nous ont avancé nos dirigeants suite à cette vague de libéralisation. Alors, moi, juste un tout petit point avant que tu prennes la parole, Charlotte. Moi, ce qui m'a fait un choc et qui a fait que j'étais vraiment très, très enclin à faire cette émission aujourd'hui, c'est parce que je viens de recevoir un document. Et voilà, c'est adressé par le gouvernement avec marqué dessous « Liberté, égalité, fraternité ». Et ma lettre en question que je viens de recevoir, c'est « Fin des tarifs réglementés de vente du gaz. Choisissez une offre adaptée à vos besoins et à votre budget. » Et en gros, j'ai 2 ans pour changer, voilà, pour aller chercher un opérateur. Alors, ils me donnent la liste, hein, ils sont vachement sympas. Hein. J'ai 15 ou 20 entreprises que je peux contacter pour avoir le gaz à l'avenir. J'avais du gaz de ville jusqu'à maintenant qui me semblait être dans le total EDF-GDF qui était un package public, hein, service public, et voilà, c'est fini. Le service public sur le gaz est fini. Et ce que je veux dire, c'est tout à l'heure, Charlotte, mais tu vas le redévelopper, tu disais qu'on n'avait pas d'éléments clairs, tangibles, concrets oui. Dans cette privatisation depuis le départ, et puis pof, à un moment donné, tu reçois ça, et là tu dis, oula, mais c'est plus du... Voilà, c'est du vrai. Oui, tout à fait. Effectivement, la difficulté sur ce projet, c'est qu'il n'y a pas d'informations claires, il n'y a pas de dossier écrit encore sur ce dossier. Malgré tout, on sait qu'ils travaillent, le gouvernement travaille dessus avec notre PDG Jean-Bernard Lévy, travaille sur ce dossier depuis des années. Mais effectivement, tout ce dont on essaye d'alerter, il n'y a aucun élément tangible à amener au débat, mais par contre, effectivement, tous les risques qu'on veut mettre en avant risquent d'arriver par la boîte aux lettres dans quelques années, ou peut-être même plus rapidement que ça. Voilà. Donc pour revenir un petit peu effectivement sur l'historique,
Tu parlais de la loi NOM, David. La loi NOM, elle a abouti à l'AREN, donc c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, qui a obligé en fait EDF à vendre une partie de son électricité à un certain prix, 42 euros à l'époque, le mégawattheure, donc 25% de l'énergie nucléaire qui est vendue à 42 euros aux différentes entreprises privées. Voilà, aux concurrents. Ouais. Le but était, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, qu'ils viennent s'implanter sur le marché. Or, on voit que depuis, déjà, ce prix n'a jamais été réévalué. On voit qu'aujourd'hui, il ne correspond plus au coût réel d'EDF en matière de production d'électricité. Le prix date de 2012. Hein. Oui, tout à fait. Et on voit aussi que depuis, aucun concurrent n'est venu s'implanter sur le marché, hormis sur les énergies renouvelables, mais bon. En tout cas, en termes de vraiment producteurs d'électricité, personne n'est venu s'implanter sur le marché. Et on voit bien que, en fait, cette arène, c'est vraiment perdant-perdant pour EDF, puisque les concurrents viennent acheter l'électricité à ce prix-là si le prix de l'électricité est plus cher. Et par contre, si le prix de l'électricité est moins cher, ils peuvent aller directement se fournir sur le marché. Donc EDF, avec l'AREN, est complètement perdant-perdant. Donc on est dans la concurrence libre et non faussée. Tu es obligé de me vendre, et si je n'ai pas envie de l'acheter, je ne l'achète pas. Oui, c'est ça la liberté. Hein. Tout à fait. C'est joli. Ce serait l'exemple du boulanger qui fabriquerait 4 baguettes, et il y a une baguette qui refilerait à un mec dans la rue qui se dit boulanger mais qui n'a pas de four, et qui le revend le prix qu'il veut. Quoi. Voilà. Ouais. C'est ça qui se passe pour EDF depuis 2011. Et puis il est obligé de le produire, et si le gars ne la veut pas, il la met à la poubelle. Et puis maintenant, il vend à perte, parce qu'aujourd'hui, le prix de 42 euros le mégawattheure, il ne prend pas en compte les investissements dont on a besoin. Donc, on vend à perte. Quoi. Alors, voilà. Normalement, c'est interdit de vendre à perte. Et tout à fait. Aujourd'hui, on a eu quand même, aux infos, là, j'ai vu 1,6 de hausse de l'électricité, hein, des tarifs de l'électricité, aujourd'hui, 1er février 2021. Et en moyenne, depuis 2006, on est passé d'une facture moyenne pour les gens de 319 euros par mois, je suppose, d'électricité, je ne sais pas comment ce que ça veut dire, et puis à 510 ou 506. Voilà, on a pris 150 euros en 15 ans. Effectivement. Et ça continue à monter. Alors la libre concurrence et non faussée, normalement, elle est mise en place justement pour faire jouer les prix et in fine que l'usager paye moins cher. Donc c'est ça au départ, il me semble, hein, ce que prônent les libéraux qui mettent en place ces lois, et dont la loi AREN. Là, on voit que ça fait exactement l'inverse, et les exemples, il y en a tout un paquet autour de nous depuis 30 ans. Pour autant, ils veulent continuer à privatiser un petit peu plus et considérer l'énergie comme n'importe quel marché privé avec une offre et une demande. C'est ça toute la problématique pour nous, c'est que l'énergie, c'est pas un bien comme les autres, c'est un bien fondamental, il doit être disponible pour tout le monde de la même manière, et pour nous, c'est un bien commun, il faut qu'il soit géré de manière différente qu'une baguette de pain. Mais de toute façon, l'argumentaire des gens qui sont des tenants du libéralisme comme ça à tout craint, c'est « Attends, mais ça, les prix n'ont pas baissé ?» Mais c'est parce qu'on n'a pas encore assez libéralisé. Et voilà. Donc, à l'étape suivante, vous verrez, ça marchera mieux. Donc on va dans le mur, mais on accélère. Voilà, c'est pas grave. Voilà, tout à fait. Mais l'étape suivante, ça s'appelle Hercule chez nous, projet alors, Hercule. Voilà. Alors donc, là, on a parlé de la privatisation qui a commencé avec, au départ, il y avait trois branches. Alors justement, il y a peut-être des gens qui ne savent pas très bien tout ce que ça veut dire, Enedis, ERDF, etc. Si vous pouvez un tout petit peu nous expliquer, vous. Alors EDF, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, EDF produit son électricité, le transporte, le distribue et le vend. C'est vraiment les quatre activités principales d'EDF. Le projet, lui, ce qu'il prévoit, c'est de scinder en trois l'entreprise, avec EDF Bleu d'un côté qui regrouperait toute la production nucléaire, avec la partie RTE, qui est une partie du transport. EDF Azur avec la partie production hydraulique.
et EDF Vert, qui est, on va dire, tout le reste, la distribution, la commercialisation, les énergies renouvelables, etc. Donc, si on fait un résumé, tout ce qui est bleu, oui, tout ce qui est bleu, ce serait 100% à l'État. Tout ce qui est vert, ce serait, dans un premier temps, 65% à l'État, et donc ouverture à la concurrence à hauteur de 35% dans un premier temps. Ça veut dire que c'est pas sûr que ça reste, ça peut aller au-delà. Et d'ailleurs, c'est marqué comme ça dans les fuites qu'on a pu voir dans la presse. Si besoin d'équilibre financier, ça peut aller au-delà. Donc encore une fois, aucune certitude, mais d'où le risque induit. Donc clairement, ce qui rapporte serait ouvert à la concurrence, et ce qui coûte resterait 100% à l'État. Ouais, mais c'est ça la concurrence libre, non, c'est exactement le principe. Peut-être, justement, vous pouvez nous expliquer, voilà, à tous les gens qui ne sont pas vraiment de la partie. Alors, dans le pôle bleu, il y a le réseau transport. Et dans le pôle vert, il y a le réseau distribution. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est la différence entre réseau transport et réseau distribution ? Alors nous, on travaille dans les centrales nucléaires, donc nous, on produit l'énergie. Mais pour autant, après, il faut la transporter. Qu'il y ait le moins de gâchis possible, on la transporte avec la tension la plus haute possible. Donc c'est ce qu'on appelle les lignes haute tension. Ça, on appelle ça le transport. Aujourd'hui, c'est RTE qui s'en occupe. Et ensuite, on passe à la distribution. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans des postes haute tension, on la transforme en moyenne tension et basse tension pour après la répartir par ville, par quartier et puis par maison, quoi. Et donc ça c'est la partie de distribution. Voilà, c'est ça la grosse différence entre transport et distribution. Et il faut bien être conscient que une entreprise de transport électrique en France, ça paraît, enfin en tout cas nous, ça nous paraît évident à la CGT, qu'elle est un monopole. C'est-à-dire que si demain il y a 15 entreprises qui construisent des lignes haute tension différentes, ça va être un sacré bordel. Oui. Sans compter l'entretien. Sans compter l'entretien, sans compter tous les risques. On voit chaque fois qu'il y a des tempêtes et que ça tombe par terre, ou la neige, et qu'après c'est les agents qui vont relever les fils. Exactement. Si après, si ça part dans le privé, ça va être un peu la galère en ce moment. Et puis il y a une histoire de sûreté nationale à ce niveau-là aussi, d'autonomie électrique, etc. Enfin, voilà. Alors, sur l'entretien, comme tu dis, Denis, ça rappelle ce qu'on avait vu sur l'émission précédente où on avait parlé des barrages, tu te souviens ? Oui. Où là, où on avait vu que justement, pour arriver à faire un entretien des différents barrages qu'il peut y avoir à un moment donné dans une grande vallée, tu vas avoir 3, 4, 5 barrages les uns à la suite des autres. Si chacun des barrages est à une entreprise différente, le jour où tu dois essayer de vider, tu sais, toutes les alluvions qui se ramassent dans... Voilà, toutes les alluvions. Mmh. Donc après, tu l'envoies aux copains qui est en dessous. si c'est pas un minimum organisé, donc enfin c'est complètement farfelu de penser que ça va être coupé en petits morceaux, quoi. Et ben c'est la même chose, parce qu'en plus, même pour réguler l'électricité, on peut utiliser les barrages à un moment donné pour faire remonter l'eau avec les turbines dans l'autre sens, pour pouvoir quand on a un trop en production, hein, voilà, et on fait remonter l'eau, et après on peut comme ça réguler la production pour pas en avoir à jeter, quoi. Et là, si c'est des entreprises différentes, évidemment qu'on pourra plus réguler non plus, quoi. Et nous, ça pose une question encore plus grave de sûreté nucléaire, c'est-à-dire que pour les centrales, on a besoin d'un niveau d'eau suffisant pour refroidir notre cœur constamment. Et en fait, ce niveau d'eau est évidemment lié au lâcher ou non de barrage, aux ouvertures de barrage. Donc il faut qu'on s'entende avec les entreprises. Quand il y a une entreprise publique en face de nous qui a des contrats avec nous et avec l'État, ça va bien. Quand il y a 15 entreprises privées différentes, c'est plus du tout la même chose. Et juste pour vous montrer à quel point ça peut être stupide, cette situation, aux États-Unis, on est passé à côté d'une catastrophe nucléaire il y a quelques années, où il y avait un barrage qui a décidé d'ouvrir les vannes, mais qu'on n'a pas parlé à l'État d'à côté, parce que c'est des entreprises privées différentes et des États différents aussi. Et bien, il y a une centrale nucléaire qui s'est retrouvée avec 2,50 m de flotte, et donc on est passé vraiment à deux doigts d'une catastrophe nucléaire majeure aux États-Unis il y a très peu de temps. Mais peut-être qu'un jour, on aura des problèmes en France aussi avec le réchauffement climatique. Si l'eau vient être trop chaude, elle peut refroidir, après ça pose des problèmes. D'ailleurs, déjà, il y a eu des arrêts. Oui. À cause de ça. Tout à fait. L'été, ça arrive assez régulièrement qu'on soit obligé, oui, de limiter un petit peu nos... Enfin,
de régler, on va dire, nos réacteurs en fonction du débit du Rhône pour ce qui nous concerne. Et de la chaleur de l'eau. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, pardon. Juste pour, c'est pour ça que les dernières centrales ont été construites plutôt proches de l'océan et qu'à ma connaissance, les prochaines seront aussi à côté de l'océan ou de la mer. Ouais. D'accord. Alors, les syndicats, puisque vous êtes venu aujourd'hui, vous syndiqués, nous parler à cette émission de Solidaires d'abord, les syndicats proposent des alternatives. Mais en même temps, ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, il y a deux mobilisations. Hein, tu nous en parlais tout à l'heure. Le 4 et le 10 février. Oui. Alors, on est en intersyndical contre le projet Hercule, c'est-à-dire qu'avec les quatre syndicats représentatifs, donc qui sont CFE-CGC, CFDT, FO et la CGT, dont on fait partie, on est sur des actions revendicatives ensemble. Et donc, c'est assez rare pour être souligné et c'est plutôt pertinent dans ce cadre-là. Pour autant, on va appeler aussi le 4 février, donc ça, c'est un appel CGT et d'autres syndicats, mais pas la même intersyndicale. Le 4 février, on appelle à défendre le service public, puisque notre combat, il n'est pas là pour nous, les agents EDF, il est beaucoup plus large que ça. Il est pour les usagers et pour la défense de notre mission de service public. Et après, côté CGT, on a des propositions concrètes. Oui. Face à ce projet Hercule, la CGT a créé son PPE, son programme progressiste de l'énergie. Alors, en miroir à l'APPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc le programme de la CGT, c'est quoi? C'est revenir finalement à un EPIC, donc un établissement public industriel et commercial, pour que la production, le transport, la distribution et la commercialisation soient vraiment soient garantes de la performance énergétique et sortent de la concurrence qu'ils veulent installer. Redonner de la cohérence à tout ça, quoi. Parce que tout à fait. Là, on va partir dans un truc. Ouais. Une gestion démocratique qui puisse être à la main des salariés, mais aussi des citoyens. Parce que l'énergie, comme tu disais à travers la facture tout à l'heure, l'énergie, c'est quand même un bien de première nécessité. Comme l'eau, d'ailleurs. Oui. Bien commun. Hein, un bien on commun. Devrait avoir comme bien commun l'eau, l'air, l'énergie. Et on pense que rester une entreprise intégrée, ce qu'on appelle une entreprise intégrée, donc c'est comme le disait Charlotte, production, transport, distribution, commerce, on pense que de rester une entreprise intégrée, c'est la solution, enfin intégrée et publique, pour nous permettre d'être plus flexible sur notamment les prix, les investissements, etc. Un exemple simple, Fukushima, l'accident qui a eu lieu il y a à peu près 10 ans, un peu plus maintenant, a donné lieu à d'énormes investissements dans le nucléaire pour améliorer les normes de sûreté. Donc ça, il faut bien se dire que ce parc nucléaire, tous les ans, même très très régulièrement, on a des évolutions majeures qui améliorent la sûreté. Donc c'est constamment en mouvement, c'est constamment dans une dynamique qui va dans le sens de la sûreté. Tout ça, ça a des coûts. Et ça, on peut chez EDF supporter ces coûts parce qu'on est une entreprise intégrée aujourd'hui. Demain, si on n'a plus que la production... Qu'est-ce que ça veut dire, entreprise intégrée, excusez-moi. Eh bien, par exemple, comme on fait aussi la commercialisation de ce qu'on produit, on peut gérer les prix de l'électricité en fonction de nos besoins. Alors, avec toute la régulation de l'État qu'il y a derrière, mais ça permet d'avoir et aussi de pouvoir flexibiliser sur, à un moment donné, on va donner un peu plus d'énergie verte à ce moment-là, on peut gérer le réseau différemment, etc. Techniquement, il faut se rendre compte que c'est extrêmement complexe d'avoir des sources d'énergie qui viennent déjà de différents endroits, mais alors après, avec différentes entreprises, différentes règles, différentes normes, ça devient un casse-tête techniquement très complexe. Alors, et vous parliez tout à l'heure du fait que, alors moi ce que j'avais compris, c'est qu'après 2025, ça sera la fin de l'arène. C'est-à-dire, le prix sera soumis au marché. Mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Parce que tout à l'heure, dans ce que j'ai entendu que vous disiez, c'est une menace d'arrêter l'arène ou c'est un bienfait? En tout cas, aujourd'hui, il y a des négociations sur l'arène. Alors, on entend parler aujourd'hui de réévaluer l'arène, donc de mettre un prix supérieur à 42 euros, tel qu'il est aujourd'hui. Mais on parle aussi d'élargir l'arène, c'est-à-dire d'aller au-delà des 25% de la production nucléaire historique. Donc, ces négociations sont justement liées avec le projet Hercule. Enfin, en tout cas, c'est des éléments qui nous ont été amenés par le PDG Jean-Bernard Lévy. Donc, il y a une espèce d'incertitude autour de ces deux projets qui semblent quand même bien liés. On nous dit que Hercule, c'est ce qui va sauver EDF, sauf que, on n'y croit pas.
Quand on voit ce qui s'est passé ces dernières années, l'ouverture à la concurrence, on nous disait que ça allait permettre de faire baisser les prix. Il n'en est rien. Au contraire, les prix depuis les 10 dernières années, les prix de l'électricité ont augmenté de 50%, 70% pour le gaz. Donc on est très inquiet. C'est pour ça qu'on alerte sur ce projet qui, pour nous, va nécessairement faire monter les prix, et voire même, il y a un sérieux danger sur la péréquation tarifaire, c'est-à-dire le fait qu'on paye le même prix l'électricité partout sur le territoire. Demain, il y a une grosse incertitude là-dessus aussi. Pour finir sur les prix, juste, EDF est très endetté, non ? Oui. Hein ? Alors, qui c'est qui va payer la facture ? Alors, EDF, ils ont un endettement de 41 milliards d'euros, ce qui peut paraître énorme, mais ce qui, au vu d'un EPIC national qui avait à un moment donné le monopole de l'énergie, n'est pas si grand que ça. Donc derrière, c'est toute la problématique quand on parle d'une dette. Est-ce que derrière, en fait, on a des résultats nets qui aujourd'hui sont filés à notre actionnaire principal qui est l'État ? Est-ce que l'État rembourse notre dette aujourd'hui ? Non, ils investissent différemment parce que c'est un actionnaire comme un autre maintenant, l'État, dans une société anonyme telle que EDF. Alors que demain, si on a un pôle public, ces dépenses d'énergie, elles sont mieux maîtrisées. Elles sont maîtrisées à plusieurs années, sur un moyen et long terme. Un exemple très concret, lundi dernier, article de BFM Business qui dit « Attention, le projet Hercule est en train de s'enliser ». L'action d'EDF, qui est donc maintenant une entreprise cotée en bourse, EDF, perd 17%, soit à peu près 5 milliards d'euros, à cause d'un journaliste qui a décidé d'écrire un truc avec des sources dont personne n'a aucune idée d'où ça sort, etc. Donc on se rend un petit peu compte que quand on met une entreprise sur les marchés financiers, eh ben on est en fait complètement à la merci de ces marchés. Donc on a perdu 5 milliards d'euros là en quelques heures, et là on nous parle d'un endettement qui fait 41 milliards d'euros, ça paraît pas insurmontable. Vu ce qu'on représente TDF, c'est pas de chagrin, c'est rien du tout. 58 réacteurs sur 19 sites, si on fait au prix du mégawattheure. Il y a des possibilités différentes, en tout cas, de passer par ce projet Hercule. Et c'est effectivement ce qui nous met en balance, comme du chantage, en disant « Regardez, l'AREN est en train de tuer EDF. Et ben nous, on vous propose de tout libéraliser, comme on disait tout à l'heure, hein, un petit peu plus, finalement. Reprenez un peu de soupe et puis vous verrez que ça vous fera grandir. » Et justement, ce n'est pas le projet Hercule qui va sauver l'entreprise EDF ou aider à rembourser les dettes. Au contraire, ça me fait penser un petit peu à d'autres secteurs qui ont été vendus, même cédés, je dirais, que ce soit le télécom, plus récemment le ferroviaire ou les autoroutes. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de vendre les bijoux de famille. Sans compter que ceux qui achetaient les autoroutes, ils ont fait une bonne affaire. Alors, tu voulais parler du RIP ? Oui, il y a certains députés là, à l'Assemblée nationale qui se bougent un peu là pour le projet Hercule, et ils voudraient monter un RIP. Donc c'est dans les tuyaux. Maintenant, est-ce qu'ils vont arriver à trouver assez de sénateurs, de députés pour signer? Ça serait comme pour les aéroports de Paris. Donc peut-être on va être reparti sur les marchés avec nos papiers pour faire signer les gens. Le cœur du sujet de ton RIP, c'est quoi? C'est quoi ? C'est plus de privatisation ? Voilà, plus de privatisation. C'est pour que le projet Hercule et les privatisations des barrages et des éoliennes et des photovoltaïques soient repoussées et même annulées. Et ce RIP, ça serait bienvenu, quoi. Ça permettrait de laisser le temps, de gagner un peu du temps et de laisser le temps aux gens de se mobiliser et de réagir. Parce qu'apparemment, pour le moment, c'est un peu mou, on va dire. Disons que, alors, RIP ou autre chose, j'ai envie de dire peu importe. En tout cas, on voit que les mobilisations qui se sont produites par les salariés depuis donc maintenant plusieurs mois, depuis octobre 2020, ont permis justement de faire parler de ce projet, qui soit pris justement par nos parlementaires, nos députés, que le sujet soit mis sur le devant de la scène, et donc a émergé cette idée. Je parle en tout cas pour la CGT, je serai comme pour les aéroports de Paris sur les marchés, effectivement, à distribuer des tracts, à continuer à informer sur ce qui se passe. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la bataille, la lutte a permis de gagner le fait qu'il y ait un véritable débat. Donc on continue en fait dans ce sens-là pour informer, toujours plus informer de ce qui se passe, parce que on voit bien que sur le fond, on a beaucoup parlé de la forme, mais sur le fond, en fait, ce projet, il a été construit en catimini. À aucun moment, les salariés ni les usagers ont été
partie prenante de ce projet, et ni les élus des salariés, ni les élus de la nation n'ont participé non plus à ce projet. Et je rappelle que l'énergie, quand même, c'est un bien commun, un bien de première nécessité. Quand on voit aujourd'hui le nombre croissant d'usagers qui sont en précarité énergétique, c'est tout simplement pas possible de continuer dans la libéralisation de ce secteur comme ça. Ben c'est scandaleux que ce soit pas un minimum démocratique tout ça. Tout à fait. Enfin, c'est à nos députés de se remuer un peu. Donc toute l'opposition est d'accord pour faire ce RIP. Donc ben oui, on appelle à nos députés de France et nos sénateurs de se mobiliser, de se rassembler comme ils ont fait pour les aéroports de Paris. Ouais. Ils sont arrivés pour les aéroports de Paris. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se réunissent pas et qu'ils n'arrivent pas à se fédérer pour EDF. Il vous reste une petite minute. Hein. Je sais que voilà qu'il y a eu des motions de fait en conseil municipal. Nous, en tout cas, on a lancé une grosse campagne de communication au niveau du CSEC, donc le CSE national d'EDF en intersyndical, avec des affiches qui sont d'ores et déjà sur Paris. Localement, chaque site aussi a voté un budget pour permettre voilà, de la communication dans les journaux locaux pour toujours dans le même but, informer. Et puis on se modernise, on essaie d'être sur les réseaux sociaux pour justement faire basculer l'opinion publique et pour leur faire comprendre qu'on se bat pas pour les agents d'EDF mais pour tous les usagers et qu'on est bien content de découvrir enfin que les politiques ils savent ce que ça veut dire la défense du service public de tout bord. Là, ça fera plaisir à leur rappeler dans quelques temps ça. Voilà. Auditeur, si vous connaissez un député, allez-y, allez le voir et essayez qu'il se mobilise pour le RIP. Et des communautés de communes et des élus locaux aussi qui prennent ça en main à pas mal d'endroits. Voilà. Bon, allez, il y a une lutte à mener tous ensemble. Allez, à bientôt. Dès le 4 février dans la rue. Au revoir. Mais au revoir, merci beaucoup. Merci.